Pour la vidange du moteur OM654, la température du liquide de refroidissement doit être de 80 degrés minimum. N'ouvrez le capot que lorsque c'est le cas. Ouvrez le verrouillage et détachez la tubulure d'admission d'air du boîtier de filtre à air ainsi que des conduites. Desserrez le couvercle vissé du filtre à huile et laissez-le reposer. En dessous du véhicule, retirez la partie centrale et la partie arrière de l'habillage du compartiment moteur. Placez un récipient collecteur sous le véhicule et ouvrez la vis de vidange. Lorsque l'huile s'est complètement écoulée, vissez une vis de vidange neuve dans l'orifice. Vous pouvez remettre l'habillage du compartiment moteur en place. Le travail se poursuit en haut. À présent, retirez le couvercle vissé du filtre à huile. Remplacez le joint et préparez un filtre à huile neuf. Positionnez le filtre à huile de façon correcte et enfoncez-le dans le boîtier. Une fois fait, mettez le couvercle vissé du filtre à huile en position et serrez-le au couple prévu. Remontez également la tubulure d'admission d'air. Veillez à ce qu'elle s'enclenche correctement. Ensuite, remplissez le carter d'huile fraîche. En laissant tourner le moteur, contrôlez pour terminer que le niveau d'huile est correct.